Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carterie. Ça va être une série de cartes bonne année. Vous en allez voir, vous allez en avoir presque tout le mois de janvier, parce que le mois de janvier, c'est la bonne année. Alors voilà. Alors je vais vous faire quelques petites cartes tout au long du mois de janvier, et puis je me suis dit bah pourquoi pas commencer aujourd'hui. Alors je vais faire une carte avec ce petit personnage là, voilà, hop, qui est trop mignon et que j'ai pris de cette planche-ci que j'ai pris sur la boutique Cybelle Scrap. Si vous voulez aller voir mon lien, c'est-à-dire mon haul de la boutique, je vous mettrai dans le petit i, juste ici. Alors j'ai pris ce petit ours là, petit ours ou petit raton laveur, je sais pas. Voilà. Et je vais prendre aussi cette planche-ci. Je vais prendre soit ça ou ça. Alors j'ai fait des petits tests pour voir ce que ça donnerait comme fond. Alors je me suis dit peut-être comme ça ou alors comme ça. À voir comment je vais faire. Voilà, alors si vous voulez voir mon haul de la boutique Graffiti Girl, je vous mettrai aussi dans le petit i pour voir d'autres planches que j'ai prises. Après, j'ai pris ceci, meilleur vœu, ça va être mon tampon pour les cartes de bonne année. Voilà. Que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Voilà. Ma base de cartes va être comme ceci. Hop, pardon. Va être comme ceci. Voilà. Elle fait 10. Attendez, que je ne dis pas de bêtises. Elle fait 10,5 sur 11. Voilà. Voilà, 10,5 sur 11. Voilà. Et je mettrai ici. Et puis le petit sentiment juste ici. Voilà. Alors c'est une carte toute simple. Vraiment. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas utiliser au moins ces deux planches. Voilà. Et puis je pense que je vais aussi mettre faire des petits anecdotes. J'ai oublié de prendre le produit. Je vais les faire avec cette couleur-là. Voilà, c'est le Son. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà. Pointe fine. Voilà. Et je vais faire des petits points. Voilà. Alors, l'encre que j'ai voulu prendre, c'est la Squat Lemonade. Voilà, c'est un jaune poussin, je peux ça. Voilà, elle est ici. Voilà. Voilà, alors on va commencer. Bien sûr, du double. Je vais prendre de la mousse 3D pour coller mon petit personnage et mon sentiment. Alors, en premier, et je vais aussi mettre des petits flocons. Alors, tout d'abord, on va utiliser cette planche-ci. Alors, qu'est-ce que je mets? Je pense que je vais faire ce fond là. On ira bien. Ou alors ce fond là. Ça fait un peu gros.
Pas facile. Ouais. Sinon, ça fait comme ça. Ouais. Comme ça. Je pense que je vais le mettre comme ça. Ouais, je vais prendre ce fond-là. Alors. Je prends ma plaque. Voilà. Je prends ma Distress Oxide. Désolée pour le bruit. Alors, c'est parti. J'en mets partout. Alors, je positionne ma carte comme ceci et mon fond, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Hop. Parfait. Je nettoie aussitôt. Voilà. J'ai bien rangé fur et à mesure, comme ça au moins je ne perds pas. Voilà. Ouais, parfait. Et je mets mon petit personnage comme ceci en 3D. Voilà. Par contre, j'ai oublié de fermer la Distress. Alors, voilà. Je vais le mettre ici. Voilà. Après, je vais prendre mon sentiment. Alors, c'est celui-ci, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est celui-là. Alors. Je prends la VersaFine noire. Parfait. Alors, je le mets comme ceci. Voilà. Parfait. Je vais le couper. Voilà. Et je vais le positionner ici. Bien sûr, en 3D.
Voilà. Voilà, là c'est bon. J'ai envie, je me suis venu à la dans la tête avec un stylo et je fais comme ceci parce que j'adore faire ça. Je fais ça tout le long de ma carte. Voilà. Ce qui est bien, pas besoin de faire droit, hein. Le zigzag. Là. Je fais deux petits traits comme ça. Je le fais là. Voilà. Parfait. Et je vais mettre des amédotes. Alors. Je positionne. J'ai pas encore pris la main. Mais bon. Je vais y arriver, hein. Corriger celui-là, voilà. Il y a des bulles d'air. Décidément, il veut pas. Voilà. Et un autre ici. Bon, ils sont pas parfaits, mais voilà, ça fera l'affaire quand même. Voilà. Je vous la montre. Voilà, ma carte est terminée. Moi, franchement, j'aime bien. Voilà. Si vous avez aimé, à partager, hein, surtout, et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche, et puis on se retrouve, bah, très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!